Good morgen, allez, Idan et Sussra aujourd'hui, le Nishmat Avram Mordechai ben Yitzhak Befani et Aramant Amram ben Sulika et Shalom ben Chibiba. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sefet Yamamot Perek Bet Mishnah. Hey, Mishay Yeshlo Ach Mikol Makom. Zokek et Eshet Achiv le Yiboum. Le Achiv le Chol Davar. Chus Mimi Sheyeshlo Mina Shifra Mina Nochrit. Même principe. Mishay Yeshlo Ben Mikol Makom. Avant c'était Mishay Yeshlo Ach et maintenant c'est Mishay Yeshlo Ben. Misheshlo ben mikol makom, poter eshet aviv min hayibum, vechayav al makato, veal kil lelato, veal kil lelato, ubno u lechol davar, chutz mimi sheyeshlo min hashivcha u min anochrit. Une Mishnah qui prend deux cas de figure, ça dépend de quel angle de vue on va voir, mais c'est le même principe, même situation. À savoir définir qu'est-ce qu'on appelle comme un frère ou qu'est-ce qu'on appelle comme un enfant qui est meyuchas à toi, qui est apparenté à toi, affilié à toi, et qui va engager toutes sortes de halachot selon la Torah. Soit à titre d'exemple, par exemple, deux frères, lorsqu'il y en a un qui décède, qui n'a pas d'enfant, l'autre il devait faire la misa de Yiboum. À part ça, deux frères, et ben un il va hériter l'autre. S'il n'y avait pas d'enfant. Ou encore, une autre situation, si c'est deux Kohanim par exemple, ou un frère, un Kohen qui a. D'accord, deux Kohanim. Un Kohen, il n'a pas le droit de s'impurifier pour un mort, mais pour son frère, il a le droit de s'impurifier. Il y a sept Shiva Krovim, sept personnes proches par an. Alors la Mishnah, maintenant, elle va venir me définir qu'est-ce qu'on appelle un frère. Bien évidemment, si t'as un frère qui est né avec ton bon papa et ta bonne maman, Baruch Hashem, c'est un frère glad kacher. Mais là, des fois, oh, la vie, elle n'est pas toujours rose et belle pour tout le monde. Il y a des gens, des fois, où le père, il a eu des écarts avec une femme mariée, il a eu un mamzer, il a eu un rapport avec sa sœur, il a eu un enfant mamzer. Est-ce que c'est considéré comme son frère ou pas? Alors la Mishnah m'enseigne justement que Mishéchlo Ach Mikol Makom, celui qui a un frère, de n'importe quelle manière, même si c'est un mamzer, un bâtard, d'une liaison interdite, eh bien, sachez que ce frère-là, Zokek et Eshet Achiv Leiboum, si le frère, même cachère, ou inversement, va décéder sans enfant, il va être zokek, il va préposer, on va dire, il va devoir préposer sa femme au hiboum, c'est-à-dire qu'il va devoir en théorie lui faire le hiboum, il ne va pas pouvoir se marier avec elle, mais en tout cas, il va lui faire la khalitza, mais il peut pas, elle n'est pas libre d'aller se marier avec qui elle veut, même si lui, c'est un mamzer, parce que c'est son frère de sang. Et encore, ve'achiv lechol davar, c'est son frère, pour tout. Barthénois, il nous dit, même pour l'hériter. Et même aussi l'Eitamelo, si c'était un Kohen. Lui, c'est un Kohen qui est né dans la kashrout, propre, clean. Son frère, le papa Kohen, il a eu des écarts. Eh bien quoi? Eh bien, son frère, lorsqu'il le mamzer, quand il va décéder, le Kohen, il devra partir à son enterrement. Ok? Sauf si toutefois, Chutsuimi Sheyeshlo Mina Shifra, ou Mina Nochritso, c'est celui qui a un frère que son père, il a eu, en ayant un rapport avec une servante, ou avec une Goya. C'est déduit tout ça de Psukim. La Shifra, c'est déduit de Aisha Vela Deati et la Donea. On déduit qu'on n'a pas de lien parenté. Il faut bien le savoir. Celui qui est marié avec une Goya, il n'a pas lien de parenté avec ses enfants. Ses enfants, même si après il va les convertir, c'est pas ses enfants. Midarabanan, on va faire toutes sortes de décrets, tout ça, mais en tout cas, on ne sait pas. Il n'a pas de rapport avec ses enfants. S'il a eu même 18 enfants avec la Goya, après il a envie de faire Tshuva, il doit se marier avec une femme d'Israël, et avoir des enfants avec elle. Parce qu'il n'a pas fait la mise à pire à Virevia, par exemple. Ok? Idem, donc ça c'est s'il a eu Minanochrit, et idem aussi s'il a eu avec la Shifra, c'est plus tellement d'actualité à notre époque, mais à l'époque c'était encore des cas qui existaient, à l'époque de la Gemara, de la Mishnah, et ils avaient des esclaves, ils avaient des servantes à la maison, et malheureusement, ça arrivait des fois où il y avait des rapports interdits qui se passaient, mais tous les enfants qui naissent, c'est pas ses enfants naturels. Ça signifie que s'il a et donc, il n'y a pas de lien de parenté aussi, au même titre, ok? Et la même Mishnah, maintenant, même principe, mais avec un autre angle de vue, puisque maintenant on parlait, est-ce que ça s'appelle deux frères? Maintenant, on va s'intéresser à savoir, est-ce que c'est son fils? Même principe, Mishéchlo ben Mikol, comme tout celui qui a un fils, quelle que soit la manière, même si c'est avec la voisine. Eh bien, Poter Echet Aviv Menaiboum, ce fils-là, même ce mamzer qu'il a eu avec sa liaison interdite, il va dispenser la femme de son père. Le papa, il avait une bonne femme, tzadika. Lui, Mzrob, il partait avec la voisine.
il a eu un enfant mamzer. Le père, il décède sans enfant naturel, il ne laissait que ce bâtard. Eh bien, la Mishnah, elle me dit que, eh ben, malgré tout, la femme de son frère, la petite Tzadika, quand son mari décède, elle a pas besoin d'aller faire le hiboum. Pourquoi? Parce que lui, ce mamzer-là, c'est la progéniture de son père, qu'il a laissé sur la planète Terre. Il est mort avec, en laissant des enfants. Le pauvre, quel enfant il a laissé sur Terre, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ok? Donc, Poter un chatavif mina hiboum a dispensé la femme de son père de la misa de hiboum. Vechayav al makato, ve'al kilelato. Et pire que ça, ce mamzer-là, il est chayav. Bon, de respecter son père et sa mère, bien sûr. Mais aussi, même aussi, si jamais il fait saigner son père, il lui met un coup, il le fait saigner, il est chayav mita. Mon fils, il n'a pas le droit de faire saigner son père. Et aussi, Akilato, s'il va maudire son père. Alors, la Mishnah, la Gemara, le précise, attention. On parle que son père, il a fait tchouva entre-temps. D'accord? S'il n'a pas fait tchouva, il faut savoir, un père n'est pas obligé, un enfant n'a pas de misa de kiboud av, et n'est pas concerné par toutes ces misas, si son père, c'est un rachat. Beosema, c'est amcha active. Si là, il préserve, c'est écrit aussi dans cette Gemara qui est ici, de nouveau, dans plusieurs endroits, c'est écrit dans la Gemara, que, mais si de toute façon, son père, après ses écarts et toutes ses bêtises, il a fait tchouva, le fils a le devoir de le respecter, et si toutefois il le fait saigner, ou s'il le maudit, eh bien, il est chayav mita. Ubno hu le kol davar, et c'est aussi son fils pour toutes les halachot de la Torah, s'implique de nouveau, le yorsho velitamelo. Bon, l'itamelo, il n'y aura pas de problème en général, parce que le fils, ce sera... non, ouais. C'est dans l'autre sens. Si le père c'était un Kohen, maintenant il a fait Tchouva, mais il a laissé ce mamzer maintenant. Ce mamzer, il va mourir. Le père, qui est le Kohen, il va partir à l'enterrement de son fils. Même si c'est un mamzer. Ok? Et idem aussi pour l'hériter, hein, dans les deux sens. Chutz, à l'exception de nouveau, Mimishashlo, Mina Shifra ou Mina Nochit, sauf si toutefois il a eu un enfant avec sa servante, Goya, donc c'est une Goya avec un statut un peu spécial, que les enfants ne sont pas affiliés à lui, et ou bien Mina Nochit de la Goya, c'est pas son fils. Et donc si en fait il a été marié, imaginez, il a été marié pendant 20 ans avec une Goya, il a eu 5 enfants avec elle. Après, plus tard, il a fait tchouva, il s'est marié avec une femme, il avait déjà passé la cinquantaine, il n'a plus eu d'enfants. Lorsqu'il va décéder sans enfants, malgré les 5 goyim qu'il a, sa femme devra faire le hiboum avec son beau-frère. Ok? Parce qu'il n'a pas laissé d'enfants sur Terre, parce que les enfants de la Goya, c'est pas ses enfants. Ils ne sont pas considérés comme les siens. Ok? C'est son enfant naturel génétiquement, mais en tout cas, ils ne sont pas considérés comme les siens pour un statut al-rik. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.